Bon Zach, bienvenue. Tu vas passer quoi? Deux petites journées avec nous. Regarde, ce matin, comme tous les jours, c'est entretien. On a soufflé la presse en bas. J'ai fait le plein hier soir, j'ai soufflé le tracteur hier soir aussi. Il me reste juste à faire mes ficelles. Oh, et à mettre un coup de pompe à graisse. Et puis, on sera bon pour aujourd'hui. Bon, après, nous, on met de la ficelle en 130. C'est de la R2, c'est une ficelle milieu de gamme. Mais bon, ça suffit pour ce qu'on a à faire. Même si on a une HDP2, on fait pas plus de 500 kg en densité. Parce que par rapport à nos clients, par rapport à nos finalités, on n'a pas besoin de plus. Le but, c'est surtout, vu qu'on a nos camions, il faut mettre du poids dessus pour que les trajets soient rentables. On va faire la petite parcelle pour Nico, parcelle numéro 99. Type de culture, du blé, botte 500 kg, c'est vraiment pratique Cropéo, c'est un truc de fou. Hop, on va mettre le liage, le format des bottes et localiser, autoriser, localiser. On vient voir Zach si tu veux, regarde. Saint-Pierre de Jarre. Hop. Et c'est la parcelle là. Fermée, validée. Ok. Statut à Andéné, validé. C'est bon Nico, normalement tu l'as la 99. C'est Nico, je suis chauffeur de l'Andéneur 4 toupies. Cet Andéneur permet d'optimiser les chantiers car je réunis deux grandes coupes en une afin de gaver les deux HDP2. Track and Go me permet d'être autonome car mon patron m'envoie les points GPS et je peux voir l'ensemble des parcelles que j'ai à faire dans la journée sans pour autant connaître le secteur. Je vous laisse sur ces images car les deux presses m'attendent sur un autre chantier. <musique>
bah du coup, je sais pas si c'est toi Zach qui nous porte la poisse, mais c'est rare qu'on soit en panne. Ça arrive, là c'est juste un petit ressort au niveau du VFS sur le côté. Seb il m'a expliqué, c'est pas une grosse panne, mais c'est chiant parce qu'en fait ça déclenche plus le VFS et j'ai plus de plis qui montent dans mon canal. Donc bah il va me changer ça. Et une fois de plus, c'est bien beau d'avoir des belles machines, etc. Mais le plus important, c'est le service après-vente. Et avec Promeca, on n'est jamais déçu. Il est arrivé, en deux secondes, il avait trouvé la panne. Et là, en un quart d'heure, ça va être réparé. Tu vois là, Zach ? On était dans la parcelle 102, on a fait 122 bottes. Tu peux retrouver l'historique des bottes ici. Voilà, historique. Valentin, moi. Tac. Et sinon, eux, si tu veux aller les filmer, ils sont descendus un petit peu plus bas. À la 103, là, nous, on a passé en statut à ramasser. Comme ça, les gars, ils savent qu'ils peuvent venir ici, qu'il y a 122 bottes qui les attend. On est reparti, la petite bricole que Seb m'a fait à la tenue. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est tellement cool d'avoir un service après-vente comme ça. Il arrive en 2-2, il détecte la panne, il envoie une deuxième qui a sûrement engendré celle-là. Et ça a duré quoi, allez, une demi-heure dans le champ et après je suis reparti. Donc voilà, vraiment, vraiment merci à Seb parce que sans lui on ferait pas grand-chose. Et sinon après, je voulais aussi vous parler un petit peu du boîtier de la presse. Donc nous, on roule avec une HDP2, mais on sert qu'à 65-75%, ça dépend des champs. Parce qu'on cherche à faire des bottes de autour de 500 kg. Donc là, sur la moyenne du champ, je vais être pas trop mal. Un coup 500, un coup 495, c'est bien par rapport à nos finalités. Après, en début de chantier, là, c'est pas endainé. Du coup, je suis à 47 plis, j'ai du mal à descendre en dessous à certains endroits. J'essaye d'être autour de 30 plis, c'est bien, ça fait des belles bottes, des plis pas trop gros, pas trop petits, on concilie rendement et qualité. Après là, j'ai mon indicateur d'humidité, ma pression, ça je m'en sers vachement le soir aussi, quand je vois que l'humidité elle monte, voilà, c'est pas à 14, j'arrête pas ici, des fois l'humidité de la machine, je monte à 21, 22, 23, mais c'est surtout quand je vois les barres, en général, la pression, je tourne à 120 bars par là. Et quand je vois que ça commence à descendre en dessous de 70, là je vais sonder à la main parce que c'est que l'humidité remonte. Sinon, bon après, rien de sorcier. Là, c'est tous les boutons de commande de la machine, canal, capot, éjection de rampe, etc. We'll be right back.
il est chaud là.